Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des outils de diagnostic auto. Donc je vais vous présenter ma gamme de produits diagnostic auto que j'ai. J'ai un petit peu tout, surtout en fonction des marques de véhicules. J'ai eu plusieurs marques de véhicules, donc à chaque fois les valises entre guillemets génériques ne font pas toutes les fonctions. Donc je me suis un petit peu équipé au fur et à mesure du temps. Actuellement vous le savez, j'ai acheté une Maserati. Donc il me manque actuellement une valise capable d'aller en profondeur des écus Maserati pour pouvoir diagnostiquer les problèmes entre guillemets Maserati, Ferrari, etc. Notamment tout ce qui est paramétrage de la boîte de vitesse, etc. Donc actuellement je suis en pleine recherche d'une valise capable de pouvoir faire ça. Je dirais hors la valise Maserati qui coûte presque 25 000 €. Donc là je vais vous présenter ce que j'ai actuellement, ce que j'utilise et comment je l'utilise et qu'est-ce qui est capable de faire ce produit que j'utilise. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve. Ici, vous avez ma valise diagnostique, donc le duramétrique, le vrai de vrai, qui permet donc de diagnostiquer les Porsche. Donc diagnostique tout ce qui est voyant moteur, etc. Mais aussi reprogrammer tous les modules électroniques de la voiture. Donc c'est dans une petite mallette, mais c'est un petit câble avec un petit écu là-dessus. Donc ça, ça vaut dans les 400-500 € la valise qui est uniquement utilisable pour Porsche. Donc là, on a vraiment, on peut tout faire sur une Porsche avec ce produit-là. C'est vraiment, c'est la copie, entre guillemets, des passionnés du produit que Porsche utilise dans leurs locaux. Ensuite, vous avez ces trois produits-là. Ça, c'est la valise BMW. Donc cette valise-là, elle s'utilise avec l'ordinateur qui se trouve ici. Elle dispose d'un logiciel et ce logiciel là permet de reprogrammer également tous les écrans. Enfin, reprogrammer, je ne parle pas de reprogrammation moteur, je parle de reprogrammation de tout ce qui est système d'ABS, boîtier électronique, etc. Je précise, donc elle fait tout ce que fait une valise générique, mais en plus on peut aller dans chacun des modules électroniques de BMW et reprogrammer ce module là. Par exemple, si on remplace un module ABS ou quoi que ce soit avec ce produit là, on peut tout à fait intervenir. Donc vous avez les différentes prises selon les différents types de BMW en fonction des années. Ce produit là vaut entre 250 et 300 €. Ensuite vous avez ce produit là générique également pour BMW. Je me suis fait un peu avoir en l'achetant, très clairement ça ne sert pas à grand chose. Vous avez 2-3 petites astuces en plus d'une valise générique, mais vous ne pouvez pas faire grand chose de plus avec ce produit là, je vous déconseille de l'acheter. Je l'avais acheté sur eBay à l'époque, j'avais payé ça 50 €, je m'en sers jamais. Ici vous avez le VAG17, donc ça c'est la valise diagnostique utilisée pour Volkswagen. Donc le groupe Volkswagen, ça contient un petit peu Porsche, ça contient Audi et ça contient Volkswagen. Avec cette valise là vous avez accès au vrai logiciel Volkswagen qui vous permet donc, comme le duramétrique chez Porsche et la vraie valise BMW, elle vous permet d'accéder à tous les modules électroniques et de les reprogrammer en cas de remplacement. Ici vous avez un ELM327, donc ça c'est la valise entre guillemets générique qu'on devrait tous avoir dans un véhicule parce que ça dépanne vraiment bien. J'ai également le modèle Bluetooth que j'utilise avec le téléphone bien souvent, parce que là toutes celles que vous voyez ici fonctionnent avec cet ordinateur qui se trouve ici. Donc je m'en sers uniquement dans mon atelier. Par contre, j'ai ce modèle-là en Bluetooth que je mets dans les voitures quand je pars en vacances ou autre. Ça peut toujours dépanner. Donc ce modèle-là sert uniquement pour tout ce qui est code, erreur, moteur. Donc vous ne pourrez rien faire d'autre avec. C'est une valise générique. Elle va vous permettre de lire les codes, erreurs, moteurs génériques et de pouvoir les effacer. Donc c'est un ELM327. Ça vaut pas grand-chose. Ça vaut 25 € sur Internet. C'est pas de la marque hein, mais ça fait le boulot. Je dirais que ça c'est vraiment portatif. Donc voilà ma gamme de produits que j'ai pour mes diagnostics auto. Et bientôt on ajoutera une valise Maserati qui me permettra donc de pouvoir tout gérer sur une Maserati et sur une Ferrari. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ai un petit peu présenté le matériel que j'utilise pour diagnostiquer à l'heure actuelle mes véhicules ou les véhicules qu'on m'amène. Parce que je rappelle que je fais pas mal de réparations d'auto. Donc voilà, je vous ai un petit peu expliqué. Je pourrais pas vous mettre tous les liens d'achat, mais bon, vous pouvez le trouver sur internet sans problème en tapant valise BMW ou duramétrique pour Porsche ou quoi que ce soit. C'est très facile à acheter, à se procurer sur internet. Je vous ai présenté ma gamme de produits. Si vous avez le même produit que moi et vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Je vous rappelle qu'on a une page Facebook qui permet donc de dialoguer, d'échanger et de faire des retours d'expérience. Donc c'est franchement bien, il y a une bonne ambiance. Je vous invite à y aller. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à une prochaine. Allez, salut!